Salut à tous, c'est Florian pour une toute nouvelle vidéo du serveur Midnight. Donc en compagnie de Drogba50 toujours. Bonjour Drogba. Il n'a pas envie de parler apparemment. Donc Ouais. si. Salut tout le monde! Vite fait pour faire voir un peu l'avancement du serveur. Donc comme vous voyez depuis on s'était quitté, on était au spawn et au niveau de la petite place là, la petite place marchande. Donc depuis on a fait quelques nouveautés. Oh là, ça fait tout chrome, un truc, non. Et donc ici là c'était juste pour faire voir. Donc là c'est la petite place d'échange, on va dire. Les gens vont venir échanger ensemble. Donc à côté il y a la place du Nether qui est juste là. Donc voilà, c'était une petite ambiance Nether. De ce côté-là, c'est le désert. Donc du côté du désert, il y a là une pyramide. Donc pour l'instant, il n'y a encore rien dedans. Donc ça sera à voir un peu plus tard. Bah, toujours là le petit village. Et vers la droite, il y a le temple. Voilà. Et donc maintenant nous allons passer plutôt le côté ville. Bon, avant on va voir quand même le moulin quand même. Donc le moulin fait par Drogba50. Donc c'est un petit moulin assez sympa. Donc dedans Drogba, qu'est-ce que tu comptais faire dedans après comme espace? Des tentes. Des tentes. Non, on va voir. Je vais peut-être aménager ça donc avec pour l'instant donc des bancs. On va pouvoir rentrer dedans donc là comme là. Après on aura accès au deuxième jusqu'au premier étage avec la meule donc, qui fera tourner les pales. Mais bon, c'est les pales ne tourneront pas hein, non plus donc c'est juste pour imaginer quoi. Voilà. D'accord. Mais dedans, on pourrait espérer avoir, Des plans de travail, des plans de travail pour faire bien penser à un moulin, donc des plans de voilà. Ouais. travail, des coffres avec, Voilà, avec des farines, du avec de la pain, farine, voilà. tout ce qu'on peut trouver dans un moulin, en gros. Voilà. 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 Donc à côté, il faudrait faire un champ, tu vois, pour quand même lier le moulin avec le champ, tu vois. Ouais, mais au pire, tu vas dans le village PNJ, t'as du blé. Ouais, mais c'est tout petit, hein. Ouais, c'est mieux que rien. Donc de l'autre côté, le phare fait par Drogba aussi. Donc bah lui c'est plus en déco, hein, c'est histoire de voir un peu avoir un beau niveau sur le serveur. Donc ça permet de se repérer un peu partout. Donc là j'ai commencé à faire des parcelles. Donc comme vous voyez là il y a quand même pas mal d'espace pour pouvoir aller pour pouvoir faire toutes nos maisons. Donc il y a des parcelles plus ou moins grandes, donc là je suis en train de les faire petit à petit, les bloquer, et comme ça vous aurez juste à choisir. Parce que là en fait ici c'est la ville, donc bon, forcément dans la ville on construit pas n'importe quoi. Bon, à l'extérieur de la ville vous faites ce que vous voulez, mais par contre à l'intérieur voilà il y a des parcelles, elles sont faites pour ça. Donc voilà, après c'est assez sympa vu que là c'est en hauteur, on va pouvoir faire des maisons un peu plus dominantes, des maisons dans le creux et tout, ça va faire un truc assez sympa. Donc après bah, le coin mine on l'a toujours pas fait. Mais moi je vais venir sur ma construction maintenant, qui est le manoir. Donc le manoir c'est le. Ça vous allez en trouver pas mal sur le serveur. Donc c'est pas forcément un manoir, ça peut être un temple et tout. Donc lui en fait c'est un manoir. Un manoir hanté. Donc voilà, vous voyez bien les pierres qui sont cassées. Ces choses-là, les têtes de Wither devant, histoire de bien rappeler les choses. Et donc en gros le but c'est de réussir à s'inventer dans le manoir. Donc là comme ça on dirait pas il est petit, mais en fait il est énorme. Parce qu'il va aussi sous terre. Et en gros c'est de réussir à passer toutes les épreuves dans le manoir. Une fois que vous aurez passé toutes les épreuves, à la fin vous allez réussir à avoir un coffre. Et grâce à ce coffre, vous aurez des diamants, etc. Toutes ces choses-là. Donc à savoir que voilà, celui-là c'est le premier. Bon, je peux vous dire que ça va être assez corsé pour vous, hein, parce que je suis pas allé de main morte pour les mobs.
Donc ça va être, je sais pas si vous voyez la map. C'était laquelle map qu'on avait fait Drogba? Je ne sais plus. Tu ne sais plus. Ah, c'est. Merde, comment qu'elle s'appelait celle-là, cette map-là? Je sais que moi je l'avais connu par un youtubeur. Ouais, bah, sur YouTube, il y en a plein, même IPR et tout, il l'a fait. Voilà, bah justement, c'était IPR qui. J'avais regardé une vidéo d'IPR et je l'avais trouvé sympa, donc c'était de lancer un Super défi hostile, ah avec. voilà, super hostile c'était. Voilà. Donc là, c'est la map super hostile, donc là j'ai refait un petit peu dans le genre, il y a tout un tas de mobs, il y a des pièges, que ça par contre c'est pas dans super hostile. Mais voilà, j'ai créé des pièges, des choses comme ça, donc ça va être vraiment un challenge pour vous. Donc là-dessus, c'est pour tous les aventureux qui veulent s'essayer à ce manoir, bah, je vous invite à y aller. Et je vous dis, c'est vraiment quelque chose de corsé, donc va vous falloir même peut-être être à plusieurs pour pouvoir détruire tous les spawners, tous les mobs, etc. Donc c'est vraiment un gros challenge. Et donc ces sortes de bâtiments, on va en mettre petit à petit un peu partout dans la map. Et comme ça vous permettra d'avoir des diamants, des choses comme ça, etc. Donc une fois que le manoir, si quelqu'un arrive à finir le manoir, je referai l'intérieur et comme ça, on refera une nouvelle aventure dedans. Donc c'était surtout pour ça. Donc après on peut parler côté event. Donc j'ai envie de lancer un petit projet. Donc pour l'instant on a encore le temps parce qu'il y a personne sur le serveur, parce que là faut le temps de faire la pub, on n'a pas encore fait de pub, etc. Donc ça serait un de ces quatre de faire en plein milieu d'une plaine. En gros laisser à chacun, on est par exemple 5 contre 5 ou 10 contre 10 ou 30 contre 30, on sait jamais. De venir sur une plaine, on met une zone, on met une ligne de séparation, et après chacun de son côté, chacun de son côté, tout le monde doit miner pour pouvoir ainsi construire un fort où le but sera au bout de je ne sais combien d'heures, on verra bien, au bout de tant d'heures de craft, chaque équipe vont devoir s'attaquer les unes entre les autres. Bien sûr, voilà, il va falloir être quand même assez nombreux parce qu'il y en a qui doivent défendre et d'autres qui doivent venir attaquer. Mais c'est un concept assez sympa, c'est un concept que j'ai encore jamais vu. Donc ça pourrait être assez sympa, voilà, de se faire un fort de chaque côté, et comme ça, le moment venu, il faut attaquer. Donc voilà. En gros, tout ce qu'il y a de fait sur le serveur. Donc, à voir plus tard. Alors, toi, Drogba 50, qu'est-ce que tu comptes faire comme monument maintenant? Un château fort, puis après je sais que je vais attaquer à faire un port. Alors, un château fort et un port. Voilà. D'accord. Un port, donc il y aura sûrement des bateaux comme des yachts, des petits bateaux de plaisance, et puis voilà, on va se faire plaisir quoi. D'accord. Donc moi là de mon côté là déjà je vais continuer à faire les parcelles parce que moi petit à petit les gens vont venir. Donc ça va être surtout ça. Moi ça va être surtout les occupations des parcelles, refaire tout l'éclairage, toutes ces choses-là. Ah tiens, j'ai pas parlé ici, là il y a mon pont que j'ai fait rapidement, bon c'est un petit pont sympa. Et après bah, je vais continuer à faire mes temples cachés, ces choses-là, pour voilà vous donner vraiment du challenge sur ce serveur. Ça va être surtout ce principe-là sur serveur. À la fois, on va pouvoir miner chacun de son côté et tout, normalement. De l'autre côté, il y aura les quelques events, etc. Et en plus des events, vous aurez le droit à tous ces donjons, ces châteaux, ces temples secrets, où là, justement, vous serez mené à vous-même pour réussir à choper la grosse récompense. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur, sur l'adresse minelight.minecraft-mania.fr. Donc ceci sera apparu sur la vidéo. Et je vous dis à bientôt, surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires
si vous souhaitez voir des nouvelles choses, peut-être voir une série sur le serveur, et ainsi et aussi surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur. Donc je vous dis à bientôt et à une prochaine.